Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Bal Pomar. Je présente la base. Je suis l'un des acteurs majeurs de ce mouvement. Pas contre personne. C'est parce que nous suivons des pertes énormes. Et le chef que nous avons confiance pour entre nous et l'État, il paraît qu'il nous a oublié complètement. Vous voulez dire que le bureau de l'Union nationale des boulangers... Le bureau de l'Union nationale est là, le syndicat est là, mais j'ai constaté depuis bientôt 8 ans, quand le professeur est venu au pouvoir, il nous a dit d'abord d'accompagner les citoyens guinéens, ce qui est normal. Nous avons fait cela pendant 1 an, 2 ans. Les prix ont commencé de grimper ça pour chaque jour. Et les locations de boulangerie et les boulangers... Et toutes choses, sauf la farine, toutes les choses sont montées maintenant. Tous les ingrédients qui sont dans la fabrication du pain. En tout cas, parce que pour avoir un pain, ils demandent beaucoup de choses, pas seulement la farine. D'accord. Maintenant, il paraît que le président des boulangers, le secrétaire général des syndicats que nous avons, il paraît que maintenant ils ont quelque chose à occuper, pas nous. Vous voyez, je suis vraiment contre tout ce qu'il dit aujourd'hui. Moi, quand j'ai constaté la perte, je me suis sorti dans les quartiers, dans tous les quartiers de Conakry, pour les sensibiliser les boulangers. J'ai dit, nous suivons des pertes. Pourquoi maintenant, pour avoir même un travail, c'est difficile. Si tu as eu la chance d'avoir un boulanger, il te demande un montant que tu ne peux pas supporter. C'est ainsi, mais nous sommes décidés, en tant que l'Union régionale des boulangers de Conakry, nous sommes sortis. C'est à la dernière minute, j'ai compris que les chefs maintenant ont commencé à nous comprendre que maintenant ce n'est pas contre personne. Nous subissons des pertes énormes. Donc je présente la base. Je représente la base. Quand j'ai constaté plus de 80 000 et quelques pertes par sac, je ne peux pas s'asseoir comme ça jusqu'à 1 an, 2 ans, mais il n'y a pas de boulanger à Conakry. Donc c'est ça. Parce que tous les grands problèmes, c'est ici, à Conakry, ici, pas à l'intérieur du pays. Non seulement les locations des boulangeries sont tellement chères, chaque décembre il faut augmenter. Là, et le prix du bois, tout est, je ne peux pas vous dire, tous les ingrédients sont déjà montés. Donc, à qui il faut demander l'aide? C'est nos chefs. Ils nous ont oublié, nous aussi nous avons voulu la gréver à partir de mardi, mais pas contre personne, sauf nos chefs. Après vos chefs sont joués à vous pour mener le mouvement. Oui, après, en fin de compte, ils ont rejoint à nous pour mener le mouvement. J'avoue que quand le professeur est venu, depuis ça, il n'y a pas eu l'augmentation. Vous avez dit vraiment, vous, en tant qu'il est 90% guinéen, vous lancez, rejoignez au professeur pour qu'il n'y a pas eu l'augmentation. Il était dans cette logique. Mais malgré tout ça, la farine est là. La prise n'a pas payé, mais vous aimez tout le reste qu'il n'a pas contrôlé, qu'il n'a pas son contrôle, qui est augmenté. Donc, c'est ça en fait. Mon inquiétude. Ok, donc concrètement, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, vous les boulangers? Je réclame deux choses. D'abord, il faut voir notre bureau, il faut qu'il y ait des congrès. Il faut qu'il y ait des congrès, parce que nous sommes au 21e siècle. On ne peut pas rester éternellement au pouvoir, il faut que le chef sasse. La jeunesse montante veut y avoir quelque chose de réel. Parce que les deux usines dont il parle, nous ne sommes pas confiance qu'il n'entraîne pas les chefs n'entraînent pas de gagner quelque chose entre c'est Sonoco ou bien Moulin d'Afrique. Sinon, il ne peut pas nous laisser comme ça. Et nous avons un contrat. Par exemple, Alaï Saliou, par exemple. Monsieur Diallo a parlé d'un contrat, d'une convention, je pense.